Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa, la seule émission dans laquelle on se regarde, on se dit les vérités, dans les yeux et ça va pas quelque part. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, surtout, restez bien scotchés dans vos fauteuils parce que ça va déménager tout à l'heure, hein, parce que l'invité que nous avons, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. N'est-ce pas, Yumi? Bonjour. Bien évidemment. Bonjour, Défalé. Comment tu vas? Ça va bien. Alors, ouais. Ce soir, tu fais en blondasse, là? Oui, un peu, le genre, tu vois, un peu... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. On fait un peu en Frenchie, voilà. Chic, chic, chic. On casse les codes un peu. C'est important. Chic, chic. Un peu de rouge aussi sur le côté. Oui, il faut ça, absolument. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Le glamour sur le plateau du Fafa. Ouais. Chic, chic, glamour, bien sûr. Paillette, ça, ça. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais de notre invité. Oui. C'est un jeune très talentueux qui a commencé très tôt. Il a commencé vraiment, vraiment très jeune la musique. Mm-hmm. Et dans ses débuts, il a fait pratiquement des chœurs, plein de chansons à succès. Recevant la pointue au-dessus, la grosse pointue, Vetio Lolas. J'ai fait mal à la couille. Non, Vetio, tu m'as tu sais. Non, mais je te souhaite tout le bonheur, mon frère. Merci, Vipère, ça fait plaisir. Je te souhaite beaucoup de chance dans ta carrière. Merci. Et je te souhaite que tu obtiennes au moins ce que ton cœur désire parce que tu batailles beaucoup. Amen. Voilà, merci beaucoup. Alors, Yumi, notre invité, là. Oui, bonjour, frère Hervé, voilà. Vetio Lolas. Ça va. En gros, rien ne me dérange. Comment tu vas? Ça va super bien. D'accord. Mm-hmm. Déjà, je vais être direct. Mm-hmm. Aujourd'hui, ton statut matrimonial, t'es marié, t'es quoi? Je suis célibataire. Célibataire, combien d'enfants? J'ai mes enfants. Combien d'enfants? Ça va. Mon frère, il faut dire combien d'enfants? Combien d'enfants? Il y a mes enfants, c'est le plus mon frère, important. Pardon, il faut dire combien d'enfants? Ça va, c'est trop. Aïe, pourquoi? Vidéo, quand tu dis que tu as tes enfants, là, parce que tu as peut-être les enfants dans les couloirs. Non, j'ai mes enfants, ça va. Tu les as tous sur le goût. Je suis venu même dans le plateau, sur le plateau aujourd'hui avec ma première fille. D'accord. Oui, bon, la là, première, non, voilà. Ils sont combien au total? Ils sont beaucoup, ils sont là. Beaucoup. Vidéo, elle, tu as tout reconnu? Oui. Mmh. Il y a sorti un truc, tu me connais? Vas-y, j'y vais. Ok, d'accord. De combien de mères différentes, s'il te plaît? Non, ça va, c'est un peu, ça c'est un peu... C'est un peu quoi? C'est un peu personnel, en fait. Non, c'est pas personnel. C'est le personnel. Terme de moi-même, lui-même, il assume. Non, ouais, j'ai 11 enfants, des mères tant différentes. Donc, tu peux assumer pour toi? Tu peux assumer aussi. Oui, parce que tu es célibataire, donc tu ne peux pas. Non, mais ça, c'est un peu personnel. Ah, ok. Bon. D'accord, Yumi. Oui. Comme il dit, c'est personnel. Après, on va parler des choses impersonnelles. On va rentrer dans son compte. Tranquillement, voilà. Tranquille. Voilà. Alors, Vetio Lolas, ton nom à l'état civil, vous commencez. Bien Hervé Junior. Bien Hervé Junior. Ça donne de quelle région, ça? Mon père a oublié les Nitro, à Mans. D'accord. Et ma mère est guérée de Bouleke. Attends, donc, tu viens des Mans comme... Je ne viens pas des Mans, je viens des Nitro. Nitro, c'est dans les Guémons. Il pense bien. Dans le Guémon. Ouais. Mais toi, tu es Yacouba, alors? Non. Yacouba, c'est quoi? Yacouba, c'est ton pays, non? C'est ouais, ton pays, ouais. Ah, ok, d'accord. Toi, tu es quel ethnie alors? Wobé. Ah, toi, tu es Wobé. Ouais, Wobé. D'accord. Alors, mais comment te vient l'amour de la musique? Comment? Bah, c'est par rapport à mon père. D'accord, ton père. Mon père est musicien à la base. Okay. Il a joué avec l'Orchestre National de Côte d'Ivoire. Ok. Avec Keke Kassiri, avec Anouman Bourfélis, avec Fast Clack. D'accord. Avec pas mal de talents. Il jouait de quel instrument? Et tout. Ah ouais. Polyvalent, bassiste, percussionniste, batteur. Mon père même a été le formateur de Paco Siri. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Ça, c'est des choses qu'on ne savait pas de toi. Mm-hmm. D'accord. Il s'appelait comment? Bon, son nom d'artiste, c'est Joe Paolo. Joe Paolo. Ouais. Wow. Ouais. C'est des personnes qui ont voyagé, qui ont vu un peu partout, qui sont parties un peu partout dans le monde. Et puis son nom vient de l'autre côté. Joe Paolo. Joe Paolo, ouais. D'accord. Et papa est toujours là? Ah, il est en vie, il a 90 ans. D'accord. Alors, big up au père Joe Paolo. Mm-hmm. Sois salué depuis ta position par ton fils Vetio Lolas, bien sûr. Oui. Voilà. Ok, mais c'est bon. Alors, comment sont passés tes débuts dans la musique? Bon, ça a été une surprise. Hein. D'accord. Parce que à la base, moi, j'allais à l'école. Ok. Et quand j'ai dit qu'il y a 90 ans, imagine-toi quand j'étais encore petit, 10 ans. 90 ans, ouais. Encore, il ne travaillait plus, il n'était plus en fonction. Okay. Et c'était un peu difficile pour les cours. Voilà, à l'école, revenir après, c'était un peu difficile financièrement sur le vieux. Donc moi, j'avais choisi d'être mécanicien, mécano. Ah, tu avais commencé par la voilà, mécanique. Voilà, mécanique. Et après, fallait gérer moi-même. Mais oui, parce que quand je regarde, moi, je suis beaucoup sentimental quand je regarde le vieux en train de galérer. Parce que je suis l'avant-dernier. Tu es l'avant-dernier d'une famille de combien de personnes? On était 8 normalement. 8, ok, d'accord. Ouais. Et... Moi, j'ai pas mis papa dans la tête, j'ai pas mis maman dans la tête. Je suis sorti de la maison. Comment ça, tu débattes? Voilà, tu débattes toi-même. Voilà. Et il y avait une troupe de danse juste à côté de mon garage qu'on appelait Palace dans le temps.
une troupe de danse traditionnelle, contemporain, tout ça. C'est là que je me mettais dans, comment on peut dire, la costra, ou bien, c'est ça, ouais, la costra, okay. pour regarder un peu les percussionnistes, comment ça se passe. Puis je me suis interdit un peu là-bas. Et j'ai commencé à chanter les chansons, interpréter un peu les chansons des c'était qui même? Déjà. Voilà. Okay. Et d'après les chansons, ils m'ont dit, ma petite, tu chantes bien. Bon, d'accord, viens. Il y avait déjà un groupe qu'on appelait les Lolas. Les Lolas. Ouais, ils étaient trois. Il y avait Bahi, Père à son âme, Momo, percussionniste. L'un des meilleurs percussionnistes d'Afrique, si on peut dire, Maurice, Petit Maurice, Père à son âme, avec Armel. Voilà, ils m'ont mis dans le groupe. Ils m'ont dit, tu chantes bien, nous, on n'est pas bons chanteurs. On te met devant, comme lead vocal. C'est quoi qui est lead vocal? Et ils ont commencé à m'apprendre comment ça se passe, un peu. Ah, c'est de là vient ton nom, Vichu Lolas, en fait. Oui, c'est de là que ça vient. D'accord. Et par le bien de Chico Lacoste, Papa Richie, on a croisé Abdoul Kanté. Abdoul Kanté, à l'époque, voilà. Que je salue aussi, Big Up Abdoul. Il nous a fait rentrer au studio pendant les débuts de crise en 2001-2002. Pour réaliser une chanson qu'on appelle Couvre-feu. Couvre-feu, là. Ça a gâté les choses, voilà. Et c'est là que c'est parti. Et après, la carrière fonctionnait comme s'il devait, mais moi, il n'y avait pas la même vision avec les autres parce que j'ai connu... pas mal de choses dans ma vie. Des autres, peut-être avec les parents qui avaient déjà l'argent. Armel était héritier, sa forêt quelque part, Méhadi. Donc, il touchait de l'argent chaque fin de mois. On n'avait pas les mêmes manières de problèmes. Donc, moi, j'avais dit, j'irais avec le groupe pour qu'on puisse garder un peu d'argent à côté pour pouvoir gérer nous-mêmes notre propre carrière après. Ils ont trouvé cela un peu trop. Et puis, en plus, j'étais le plus petit dans le groupe. J'avais 17 ou 18 ans. Ah, ils étaient déjà plus âgés. J'étais déjà plus âgés. Moi, je suis compté un peu derrière. Derrière Maki là-bas. Le cocotin là-bas. Chico s'est fâché. Pourquoi moi je pense comme ça? Il dit, mais attends, quand on chante, il y a des revenus. Quand il y a des revenus, on peut juste partager un peu. Et puis le reste là, on met dans un coin. Mm-hmm. Comme ça, demain, moi je visais coup de puce parce que l'album n'a pas été facile. L'album Couffé n'a pas été. C'était un album. Des six titres. Oui, sorti à Tropic Music dans le temps. Et ça n'a pas été facile pour. Parce qu'Abdoul Kanté n'était pas en tant que producteur, il était juste un parrain pour apporter son soutien. Les enfants qu'il aimait. Parce qu'après, nous aussi, on vendait la cigarette, Lotus, devant les maquis et autres. Mais cette chanson, c'était pas plusieurs artistes dessus? Non, c'était un groupe. D'accord, je pensais. Les gens ont toujours cru que c'était tu vois. Il y a d'autres personnes qui ont cru que c'était. Collectif, en fait. Il y a d'autres personnes qui ont cru que c'était les Youlé. Collectif, oui. Les Youlé d'abord. Voilà. Oui. Et après, c'est parti. Moi, j'ai laissé le groupe. Je suis parti. Quand ils ont continué à faire des spectacles. C'est là que tu fais ton feat avec Ericsson, par exemple. J'ai été repéré par Ericsson. Plus qu'Ericsson, là où on vendait les cigarettes, c'était. Je ne peux pas faire la publicité, mais c'était un ancien maquis. C'est un ancien maquis, oui, voilà. Bien sûr. C'est là-bas qu'Ericsson travaillait. Et puis, Ericsson, il m'aimait beaucoup. À tous ces gombos, j'étais avec lui. Et on a créé les Zulu Gang. J'étais le deuxième chanteur. Zulu Gang. Ouais. D'accord, donc tu étais dans l'orchestre d'Ericsson. Bah oui, Zulu Gang. J'étais percussionniste et deuxième chanteur. C'est moi qui chantais Bongo. Oui. Même au début de Susanna. Ouais. Ah, Susanna. C'est moi encore. Ouais. Voilà, donc c'est là que je commence à mieux me former encore dans le live. Parce que Ericsson, c'était du live. La majorité était congolais. Ouais. Donc c'était du live, que du live. Ouais. Voilà. C'est un peu ça ma carrière. Non, Vichu Lolas, franchement, tu as du chemin. Hein. Ah. D'accord. Non, sérieux, tu as du chemin. Ouais. Ok, Vichu, tu as aidé beaucoup d'artistes à être des méga stars aujourd'hui en restant dans l'ombre, dont DJ Arafat. Mais le titre, c'est moi, cette petite transition en langue. Bon, j'espère, j'ai essayé. Mais bon, tu le fais mieux que moi. Moi, t'as pas vu dans les clips. Pourquoi? Quelles ont été les raisons? C'est aujourd'hui, quand tu essaies de dire la vérité à certaines personnes qui n'aiment pas entendre la vérité. Comment ça? C'est très important ce que j'ai entendu dire parce que je parle en général. Il y a des gens qui ont été frustrés, qui n'ont même pas envie de parler parce que dès qu'ils parlent, ils seront insultés parce que l'autre a plus. Il a une grosse communauté, il a beaucoup d'hommes derrière lui. Donc les gens s'en foutent de ce que tu es, de ce que tu as vécu, de ce que tu vis. Donc c'est des choses que je n'ai même pas envie de parler. J'ai aidé des gens parce que je pensais aider mon pays. Ce n'est pas cette personne-là que j'ai aidé, au fait. D'accord. Pour moi, Jean c'était de la musique. La musique ivoirienne. Ivoirienne, voilà. C'était de mettre la musique ivoirienne à un niveau pas possible. Ouais. Donc, il fallait contribuer. Moi, j'ai été même abandonné au studio. Il y a des gens où je suis allé aider au studio. Et Petit Sommeil m'a pris, ils m'ont laissé dans le studio. Ils sont partis. Même me payer le taxi, je n'ai pas. Mais je ne me suis jamais plaint parce que. Attends, dans Petit Sommeil. Oui. Ils t'ont laissé là. Mais arrivé un moment, non, on ne dormait plus.
Parce que c'était fallait lutter contre la musique congolaise. Mm-hmm. Je me souviens, ouais. Tu sais bien, grand frère. Ouais, fallait lutter contre la musique congolaise parce que la musique congolaise avait pris le dessus en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et les Zouglous étaient seuls. Et les Zouglous ne pouvaient pas contre cette musique. Donc, on a pris la musique congolaise. Et quand les grands frères sont venus avec le concept coupé-décalé, on a associé notre manière de chanter. Ouais. Et après, moi, je me suis démarqué et puis je me suis dit, comment on a déjà gagné cette partie-là? On a pris l'identité, il fallait mettre maintenant notre langue dedans. Puis j'ai été le premier gars à intervenir dans les chansons coupées décalées en langue, en Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais. Bon, aujourd'hui, quels ont été les bénéfices de tout ça, de toutes ces aides que tu as apportées? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bénéfices, il n'y a que des injures, pour nous dire merci, il n'y a que des injures et des calomnies. Tu n'as jamais reçu un centime, rien du tout? Non, on n'a pas voulu l'argent. Les grands frères, c'est de quoi ils parlent. On n'a pas voulu l'argent, c'était la passion. Ouais, la passion. C'était la passion. Ouais. Se faire connaître plus encore. Mm-hmm. Aujourd'hui, là, si je dis aujourd'hui qu'il y a des gens même qui ne peuvent pas attraper un micro devant moi, ça sera très mal impoli de ma part, ça sera mal vu de ma part. Mais entre nous, chanteurs en Côte d'Ivoire, Moi, il y a vu ça, des scènes où j'étais vu chanter des chansons, les gens sont sortis de la cabine, j'étais vu chanter, d'autres sont venus dans la cabine pour les chanter ce que tu as chanté. Nous, on a vu ça. Et c'est devenu des tubes. Non, mais moi, je ne suis pas interprète. Je suis compositeur et puis je suis réalisateur musique. Il y a réalisateur de vidéos, moi, je suis réalisateur musique. Maintenant. Moi, je te prends comme tu es. Voilà. Tu te soulèves quelque part. C'est village, à ça que j'allais en venir. Je te prends, on va au studio. Vécho. Je te compose. Tu ne penses pas que tu orientes. C'est ma vision, en fait. Je pense tu penses pas que tu orientes mal ton talent. Je n'oriente pas mal mon talent. Chacun est venu. Quand j'ai dit que tu orientes mal ton talent, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Je comprends, grand frère. Je voulais dire, ce que tu viens de dire là, est-ce que ce n'est pas ça qui fait que tu dois être Vécho Lolas dans ce sens-là? Genre réalisateur. C'est là que je vais en venir. Parce qu'après. Et laisser le micro. Après, il y a Mix qui me dit la dernière fois, Vécho, arrête de chanter. Oui. Peut-être. Il m'a dit clairement, arrête de chanter parce que ta mission, c'est de fabriquer des stars. Mais voilà, donc, peut-être c'est ça aussi. Fais-toi une entreprise. Voilà. Fais un grand studio. Voilà. Et puis, tu fais les stars. C'est voilà, ce que tu as vu. C'est artistique. Effectivement, après, j'ai compris. Et puis, c'est pas le seul. Même Roland, le Benguis, m'a fait cette proposition. Moi-même, je te le dis. Toi-même, tu me dis ça tout le temps. Donc, après, j'ai compris. Parce que je comprenais pas. Parce que c'est pas facile. Je veux chanter comme les autres. Je veux faire des scènes. Je veux voyager. Dans la musique française à succès, là. Hein. Tous les gens qui chantent que tu vois, c'est pas eux qui écrivent. Mais c'est clair. C'est pas eux qui réalisent. Je suis d'accord. Ce n'est pas eux qui font tout ça. C'est là que je veux dire. Il y a des personnes qui sont là. Et c'est par là qu'on va finir. Mais je pense que c'est par là que tu dois finir. Moi, je suis sûr que. Par là, tu as fait fort. Ouais. Moi, je suis sûr. En faisant fort, Vécho, aujourd'hui, tu te considères comme quoi? Chantre? Ou quoi au juste? Parce que tu as dit... Ça sera difficile pour moi de dire que c'est chanter. Oui, parce que tu dis... C'est une autre dimension. Ouais. Tu dis chanter pour Dieu. Mais entre-temps, on te voit en cachette chanter pour d'autres personnes. Non, j'ai arrêté. Tu as arrêté? Depuis longtemps. Depuis combien de temps? La dernière séance studio, c'était avec le révérend Zahoui. On a eu une vidéo sur la toile. Il y a des vieilles vidéos qui circulent. Il y a chanté avec Digue Léo il y a longtemps. Ça fait 2019, je pense bien. Ça, c'est des vieilles vidéos. Toujours continuons dans... La dernière séance studio que j'ai eue, oui. C'était avec le révérend Zahoui. D'accord. Toujours continuons dans la musique. Tu as fait des sorties sur la toile. Disons que c'est grâce au Babadi au basse que tu as eu à faire, que Chamakwana a été vraiment un tube. Ouais, mais c'est des répétitions, hein, parce que ça, moi, je n'ai pas peur de le dire, parce que moi, mon Jésus, il est fidèle. Mm-hmm. Et je pense que quand je dis toujours, quand je parle de ça. Mais non, mais assume ce qu'on l'a fait. Non, mais je n'ai jamais caché cela. Oui. Je n'ai jamais caché cela. Je le dis toujours. Et puis, moi, je demande aux jeunes de ne pas faire ça, parce que ça va coûter cher après. Parce que moi, je sais ce que je vis. Mais Écris Salé qui dit qu'il a servi Dieu pendant 12 ans, il est venu ici, qu'il n'a rien eu. Moi, ce que Jésus a fait pour moi, quand j'ai commencé juste, parce que je suis chrétien, et quand j'ai dévoilé sur les réseaux sociaux pour dire que j'allais me donner corps et âme pour Jésus, en deux jours, ce que j'ai reçu, c'est pas des dons, en fait. C'est comme si j'étais vidé, en fait, de tout ce qui était querelle. Les choses inutiles. Une paix intérieure. Oui. J'ai eu une paix intérieure. Tu t'es baptisé? Je ne suis pas encore baptisé. C'est en cours. C'est en cours. D'accord. Ok, mais c'est bon alors. Alors, Vécho, récemment, on va prendre un petit sujet rapide. On t'a vu sur la toile. Tu t'es mâché trois œufs dans un sachet. Il y a un gars qui voulait te filmer. Et tu as couru sur la personne pour dire, mais tu te caches pour me filmer, pourquoi? Viens, moi, j'aime me filmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après. Tu vois, regarde.
En Tanzanie, par exemple, mm-hmm. quand il y a un artiste, tous les Tanzaniens sont avec l'artiste. Ok. Au Ghana, quand il y a un artiste, tous les Ghanéens sont avec l'artiste. Mm-hmm. Mais chez nous, c'est le contraire. Les gens cherchent à toujours te salir. Moi, ouais. je suis libre de faire ce que je veux. Mm-hmm. Je me mets nu-pied dans mon quartier, je marche. C'est mon quartier. Mm-hmm. C'est ma maison. Mm-hmm. Je n'ai pas rien à prouver à quelqu'un dans mon quartier. Mm-hmm. Je ne vais pas leur montrer que je suis la star, me gonfler. Demain, quand je tombe là, il n'y a pas quelqu'un qui me soulève. Qui appelle mes parents? Qui appelle une soeur ou bien qui va me regarder, va lui le faire malin ici. C'est pas lui qui se gonfle ici là. C'est les mêmes qui vont dire ça. Mm-hmm. Donc je suis très très relax dans ma vie. Je suis relax dans ma vie. Je force pas quand j'ai pas. Je suis chez moi. Si on m'a coupé la lumière, on m'a coupé de l'eau. Pouf, je m'en fous. Voilà pourquoi il lui a dit mais petit, t'es pas obligé de te cacher pour me filmer. Viens me filmer. Il faut qu'on fasse une vidéo ensemble. Les gens même quand il a dit une vidéo, ils ont mal interprété. Ils disent que j'ai dit le vidéo. Mm-hmm. C'est les mêmes encore. Ça continue. Je les regarde. Tu vois. Et aujourd'hui là, c'est des choses qui nous rattrapent. Le Mathieu Vu nous rattrape. Mm-hmm. Quand tu fais le Mathieu Vu, il faut avoir vraiment les moyens. Il mm-hmm. faut avoir vraiment les moyens. Tu n'as pas fait le Mathieu Vu et puis tu es allé dormir à Bourdoumé. Ouais. Moi, j'habite à Bourdoumé. Mm-hmm. Non, ce n'est pas à Bourdoumé, il a fait Mathieu Vu. Le jeu, il fait Mathieu Vu. J'ai payé ma maison à Angrécy, puis il a fait Mathieu Vu. Mm-hmm. Je suis dans peut-être Brabus, en train de rouler, puis j'ai fait Mathieu Vu. Mais mm-hmm. en étant dans c'est le coupé ça. Décalé durant ces nombreuses années, même dans les débuts du coupé décalé, tu as eu à faire du Mathieu Vu. Non. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Je n'ai pas fait ça. Il si. Y a des gens qui me connaissent qui vont témoigner. Mm-hmm. Je n'ai jamais fait ça. J'ai été toujours ce que je suis. Qu'en est-il du contrat avec l'Opéra de Suisse, finalement? C'est l'Afrique, on n'en parlera pas ici. Pourquoi? Parce que c'est privé. Mon frère, pardon, c'est combien de millions ils t'ont proposé? 9. 9? Ouais. Waouh! Et encore ici? Non, mais qu'est-ce qui te retient? C'est un projet, moi je travaille. C'est tu travailles, tu fais les allers-retours? Non, pas les allers-retours, c'est pas des allers-retours. C'est moi qui représente Yopougon, ce que mm-hmm. les gens ne savent pas. Okay. Moi, avec d'autres artistes que je vais taire, peut-être que ça va un peu les déranger. Mm-hmm. C'est nous qui représentons Yopougon à Bâle. D'accord. Donc okay. ça, c'est un autre niveau, c'est un autre mouvement. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec ce que vous savez là. Mmh. Ok, mais en parlant de la Suisse, en parlant de l'Europe, Vitu Lolas, on t'a vu récemment sur la toile une affiche, un concert à grande pompe au niveau de Paris avec d'autres artistes et tout. Mais depuis le concert, on ne voit pas. On voit quand même les managers, les congélateurs, tout ça sont partis à Paris pour te laisser. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Bravo. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. En fait, tu sais, aujourd'hui, moi je fais un peu pitié des promoteurs en Europe. Mmh. Ah ouais? J'ai un peu pitié d'eux parce que, vous savez, le Mali. Ils sont des promoteurs, mm-hmm. mais ils ne se tactent pas, mm-hmm. ils ne se torpillent pas. Ah, donc tu penses qu'il y a une guerre au niveau des promoteurs, au niveau des parents? Il y a une guerre au niveau des promoteurs, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si moi je veux aider quelqu'un, je vais l'aider avec le cœur. Mm-hmm. D'accord. Il avance, okay. ce qu'il gagne, c'est pour lui. D'accord. Nos promoteurs en France mm-hmm. sont en guerre. Entre eux. D'accord. Dans la même France, mm-hmm. c'est-à-dire c'est pas en Côte d'Ivoire. Okay. Ils font semblant de pouvoir se soutenir souvent. Sinon, en réalité, c'est des personnes qui sont en guerre. Et c'est des personnes qui sont capables d'avoir des contacts que tu t'imagines. Mm-hmm. Donc, il y a tout ça aussi. Et bon, pour faire un truc, bref. Donc, vous étiez torpillé. On n'est pas. Pour dire que même. Je vais leur expliquer un truc. On n'est même pas rentré à l'ambassade. Parce que j'ai refusé de rentrer à l'ambassade parce que l'ambassade ne m'arrange pas, parce que ça allait me prendre plus de temps. Parce que souvent, quand tu rentres, ça te prend 2 semaines, 3 semaines. Et oui. moi, j'avais besoin de travailler avec mon passeport parce que je vais aller à l'anniversaire de mon ami au Maroc. Et je suis parti au Maroc. Mmh. À l'anniversaire, tout s'est bien passé. Je suis revenu à Abidjan. Mmh. Le conseil que j'allais donner, il faut qu'on soit soudés. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens restent Ivoiriens. On doit être soudés. Surtout à l'étranger. À l'étranger. Oui. Vous ne pouvez pas être à l'étranger et être ennemi. Okay. Mmh. Et si l'ennemi vous frappe, vous êtes comment? C'est de ça qu'il s'agit. En parlant d'ennemis, toi et Eskeli, vous étiez des frères, paix à son âme. Mm. Oui. Mais depuis son départ, malheureusement, aucun des gens du coupé décalé ne sont allés se recueillir sur sa tombe. Et ton nom en est sorti. Pourquoi? Ah, c'est bien ça. C'est des choses qui... En fait, c'est ce que je disais. J'étais dans cette chaise-là, il me rappelle bien. Mm-hmm. Je disais que Didier Drogba n'est pas obligé de faire du bien aux gens. C'est-à-dire pour mettre un genre, une caméra sur lui pour dire je suis en train de faire du bien aux gens. Mm. Ça salit la réputation de la personne, en fait. Mm. Quand tu donnes 10 000 à quelqu'un, tu dis est-ce que tu me connais? Tu me connais pas, non? Tu passais et puis je t'ai appelé pour te donner 10 000, non? Et puis on met une vidéo sur toi. Mm-hmm. C'est enfantin. Je suis en contact avec la femme de mon ami. Mm-hmm. On est toujours en contact. On s'appelle tout le temps. L'anniversaire de... des funérailles, oui. J'étais à Boaké, j'ai joué en live, j'ai sorti une chanson en hommage qui
qui a été financé par moi-même. C'est déjà beaucoup, il est parti. Le plus important, c'est que son âme repose en paix. On ne va pas se mélanger encore sur ça. Parce qu'on s'est déjà mélangé sur l'autre. Aujourd'hui, il y a des ennemis. Regarde mon petit frère Ariel Chénik, par exemple. Il souffre. Parce que les gens pensent qu'il est à la base de tout ça, du côté Arafat. Il souffre parce qu'ils ont mis un titre sur lui, on l'appelle Judas. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est gentil. Il y a des choses qui se sont passées dans la vie. Regarde, moi, comme quelqu'un est mort là, même qu'il a fait du mal aux gens, moi, il te rappelle qu'il a fait du mal aux gens avant de mourir aussi. Ouais, c'était pas un saint. C'était pas un saint. Aujourd'hui, Ariel Chénik est mal vu. Voilà pourquoi moi aussi, les gens voulaient m'attribuer. Il y a une personne qui a voulu faire ça là-même là. La personne même s'est mise dans un faux buzz aussi, puis le buzz là l'a détruit. Moi, je suis plus dans le buzz d'un grand. Il s'agit de qui? C'est un artiste un peu méconnu. C'est qui? On ne le connaît pas. T'inquiète pas, on entre nous ici. Moi, il ne faut pas la publicité d'un autre artiste. C'est moi l'artiste aujourd'hui, c'est moi la star, c'est moi le frère Hervé. Et puis moi, où je suis actuellement, j'ai bien envie de parler de Dieu. Ça sera bien pour nous tous. D'accord. On aura plein de bénédictions. Là étant assis, quelle est la première parole de Dieu qui te vient en tête? Les gens, ils avaient dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Pourtant, ce n'est pas biblique. À eux, je veux dire cela d'abord. Parce qu'ils ont mal interprété. Et ceux qui interprètent mal, là, il y a beaucoup qui vont chez les féticheurs marabouts. Ils n'ont jamais compris pourquoi les gens disent ça. Aide-toi et le ciel t'aidera n'est pas biblique. Mettez ça en tête. On ne va pas rentrer dans la Bible ici pour se maudire. En faisant un genre en plus. Okay. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses des artistes tels que Manadia Confirmé, parce que c'est une nouvelle star, on t'a vu même en compagnie avec lui et tout, qui font aujourd'hui Abidjan, Paris et tout, pendant qu'il y a des personnes assez talentueuses comme toi qui ne font pas tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est le temps. Ok. Il y a le temps de goyave. Il y a le temps des mangues, il y a le temps des pommes, c'est le temps. C'est le temps. C'est les gens qui sont frustrés. C'est les frustrés qui pensent que nous sommes frustrés. Mais quand tu penses, quand tu vois, ils sont quittés au village. Oui. Et puis ils ont décidé de venir bouleverser les choses. Ils sont quittés au village. Hein. C'est un exode musical comme ça qui s'est passé. Oui. Comme exode rural. Mais ça, c'est exode musical. Bon, ils sont quittés au village, ils sont venus. Hein. Ils sont venus vous trouver en ville ici. Et puis ils sont en train de courir à vous. Mais avant qu'ils arrivent, il y a d'autres qui partent en Europe, qui sont attardés. C'est-à-dire que ça ne va pas chez lui et puis il va en Europe. C'est grand. C'est un artiste. Qui ça? Grand Pi, c'est un artiste. Pour moi, c'est pas un artiste. C'est quelqu'un qui a une déformation qui n'est pas trop normale que nous, les Sud-Africains, on a décidé d'aimer. J'arrive. Non, allons doucement. Si. J'arrive. T'as écouté des chansons. Faut qu'on soit clair dans ce qu'on est. On se dit aujourd'hui. Sinon, on va se faire un faux mouvement. Tu sais que souvent, il y a des blancs qui viennent nous écouter. Oui, les connaisseurs de la musique qui nous écoutent. Moi, il y a des collaborateurs blancs, français, allemands, partout. Moi, je travaille avec eux. On m'envoie des musiques, ils travaillent, ils ramènent. Mais aujourd'hui, là, quand on écoute, quand on regarde notre. C'est médiocre, c'est bête. Excuse-moi pour le thème, c'est bête. C'est pas joli à voir. Mais on est obligé d'accepter parce que ça nous fait rigoler, ça nous fait perdre le temps. Donc, c'est plus du divertissement que de la musique. Quand un monsieur qui a travaillé de 8h jusqu'à 19h, il est fatigué. Il est rentré à la maison, il veut se divertir. Il tape Manadia Confirmé. Regarde, Poulet devient quelqu'un. Ça fait rigoler. Qui a créé de rigoler ses enfants? Donc, pour toi, c'est de la musique ridicule qu'il fait. C'est pas la musique. C'est du spectacle qu'il fait. T'as pas compris mon truc. Mais attends, un artiste. Reste un artiste. Oui. Et quand tu dis que je suis artiste là, il y a des gens aussi qui t'appellent artiste. Et s'il a dit qu'il est artiste, il y a des gens qui acceptent qu'ils sont artistes. Moi je suis d'accord que c'est un artiste, mais un artiste, il y a plein de faits, il y a beaucoup de oui, il y a comédien. Il y a lesquels genres d'artistes? C'est bon, c'est un artiste de Facebook. Et congélateur? Non, congélateur, c'est un artiste. D'accord. Donc, congélateur, non, je suis personne, mais moi, c'est que je regarde là. Moi, je suis chanteur. Pas pour toi. Je suis arrangeur, chanteur, compositeur, réalisateur de musique. Okay. D'accord. Chanter, il peut travailler congélateur parce qu'il va me donner quelque chose. Moi, j'ai travaillé à Manadia Confirmé, j'ai appris à chanter à Manadia Confirmé. J'ai encouragé Manadia Confirmé et après, il y a eu un petit truc. Bon, après, le gars, il a arrêté parce que il est un peu peint qui n'aime pas payer les taxis, les déplacements, il ne peut pas payer le musicien. Il va, quoi. Le guitariste vient jouer dans le studio pour payer le gars. Non, moi, il n'y a pas l'argent, ma carte bancaire n'est pas construite comme si nous, on était quitté au village. Non, il a va. Non, j'ai pas dit qu'il a va. C'est son système de vie. Ça m'est dû. Moi, par exemple, il n'y a pas d'argent, il n'appelle pas un musicien pour travailler. Quand il sait qu'il y a de l'argent, Bureau Basse vient, Landro Guitar vient. Non, c'est ce qui a été la cause de votre séparation. On peut se séparer comme ça parce qu'il ne veut pas avoir des problèmes. Parce que moi-même, là, je n'ai pas d'argent. Voilà, donc si tu veux travailler avec moi, il faut que tu gères tout ce qui est à côté. C'est pas un problème. Moi, il peut te faire l'arrangement gratuitement, mais les musiciens qui viennent, tu peux gérer. Ça a été un peu ça le problème. Sinon, ce n'est pas quelqu'un que je déteste. C'est quelqu'un jeune qui est très. En plus, il est très, très, très respectueux.
D'accord. Okay. Attends, je l'ai dit la dernière fois parce que les gens interprètent les choses mal. Ouais. Je le retiens encore, je n'ai rien contre lui. C'est quelqu'un que je connais depuis Boaké, je ne le connais pas, c'est pas Abidjanzi. Ah, vous connaissez depuis Boaké? Depuis Boaké, il m'a dit qu'il voulait faire chanson à un mois, depuis Boaké. Okay. Et c'était en 2018. D'accord. Et non, c'est pas Abidjanzi. Maintenant, Congélateur, ça c'est un autre cas. Congélateur, c'est un artiste, c'est un chanteur. Oui. C'est un musicien même en plus, parce qu'il joue à la guitare. Mais il peut se demander, pas seulement il a la main. Il dit il revient pour courir où? Bon, lui, son truc là. Son truc a fait quoi? Ah! C'est vous qui donnez le titre aux gens. Bah, je ne sais pas quoi, tout le nous, la déquête. C'est lui qui s'est levé, il a envie de couper des calés. Non, là, quoi, Wanita. C'est bon, lui qui parle. Moi, c'est quand je suis moi, il a une seule phrase qui me plaît. Laquelle? Où il fait ses lunettes là, moi. C'est là, c'est ce qui me plaît. Puis il sourit un peu parce qu'il n'y a pas les dents. C'est ce côté que je me suis. Non, après là, vraiment. Mais et quand il lance un appel, il dit non, vous tous venez vous rallier parce que c'est lui le canal. Aïe! Et là, quand tu dis quelque chose, il y a un problème, hein. Il y a un gros problème. Parce que moi, ça me fait pitié. J'ai pitié. Parce que regarde, c'est des gars, c'est des personnes qui sont beaucoup rentables. Mmh. Ils gagnent l'argent. Okay. Ils gagnent l'argent. Mais les gens profitent de ces personnes parce qu'ils ne sont pas trop trop bien dans la tête. Oui. Pour avoir de l'argent en fait. Ça me fait pitié. Celui-là, c'est pas mauvais. Mais ils sont en train de se faire. Il y a des enfants qui l'aiment. Oui. C'est clair. Il y a des gens qui l'aiment. Il peut jouer à un anniversaire, ça fait rigoler tout le monde. Il y a des clowns. Avant là, ma fille est dehors, elle voulait voir le clown. Mmh. Elle voulait voir le clown. Mais il y a des langues pour t'en envoyer chez le clown ou ça. Tori, c'est la chanson là. Comment le crapaud fait crac, elle voulait se tuer à cause de ça. Mais aujourd'hui, on a un petit Yakuba. Un petit clown? Un petit Yakuba qui fait un peu le. Petite tête, petit cheveu sur la tête, si. Ouais, une sorte de. Ça peut nous faire rigoler dans les petites cérémonies, il n'y a pas de problème. Moi, bientôt, il y a me marier. Donc, il y a l'appelé. Dans une forme de clown, en fait. J'ai fait une prestation, ça sera bien. Du moment où on rigole, on est content, c'est bon. Tout donc, est bon. Donc pour toi, c'est un humain. C'est un amuseur public. Mais c'est bien. Ça fait partie de, de là. D'accord. Okay. Que penses-tu? Oui, les gens s'amusent. Vous avez la femme blanche va venir le Suzanne Gay. C'est pas faux, elles aiment bien ça. Alors, Vecho, que penses-tu des influenceurs, blogueurs? Ils aiment tout ce qui est inutile. Et ceux qui vendent du rêve sur les réseaux sociaux comme. Vecho, tu dis quoi? Comme qui? Ils aiment tout ce qui est inutile. Les influenceurs, ils aiment tout ce qui est inutile. J'ai dit. Et ils s'accrochent à où ils gagnent juste un peu de mille pour pouvoir faire bac à pouvoir. C'est ce que tu penses d'eux. Mais c'est ce qu'ils sont. Pourtant, ton meilleur pote, c'est Apoutu National quand même. Mais Apoutu, tu sais ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Il a apporté une grosse visibilité à la Côte d'Ivoire. Parce que dans ce qu'il fait, même quand il parle de quelqu'un, quand il t'indexe, il y a de l'humour dedans en fait. C'est l'humour là que moi il regarde chez Apoutu. Et c'est quelqu'un qui est très bon, c'est-à-dire au fond de lui. Attends, pourtant il y a d'autres, ils prennent ça pour une guerre. Et quand il t'indexe, il insulte ta famille, il insulte tous tes parents qui n'ont rien à voir avec toi. Et qu'est-ce que tu penses du décès de Bob Mille dans cette histoire? Bon, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est clair. Moi, mais Bob Mille, il m'a dit, il n'a jamais refusé, parce que moi, je n'aime pas les gens qui sont à distance. Étant bon pratiquant, il faut que tu sois un peu en face à moi, temps. Là en cause. Ça, c'est là, la causerie est plus. La causerie est tranquille. C'est intéressant d'être en face pour parler. Et homme à homme, c'est comme ça normalement. Il m'a déjà insulté, mais moi, ça me fait mal. Okay. Ça me fait mal. Parce que d'abord, il y a eu un conflit entre lui et ma soeur. Bon, pas ma soeur, quand elle est guérie, je suis guéri. Il y a eu un conflit donc. Et Love Gigi, peut-être, elle est encore sur le choc du décès de son fils. Et après, c'est en même temps tout ça s'est passé, tu vois. Bien sûr. Du coup, Love Gigi aussi essaie d'exprimer quelque chose où les gens indexent que Love Gigi l'avait tué, elle a envoyé son âme dans tel coin. Elle aussi, elle aussi, elle fait comme ça, c'est les réseaux sociaux, ça blague. Ça blague, ça fait pitié. Ça fait pitié parce qu'on doit actuellement. Je ne sais pas que c'est un peu trop fort tout ça. Voilà pourquoi je dis ça fait pitié. Parce que le monsieur a. Il y a des gens qui nous ont fait du mal. Il y a des gens qui nous ont piétinés, qui nous ont fermés, qui nous ont verrouillés. Mais quand ils sont morts, on est allé à leur funérailles. On a pleuré parce que c'est une perte humaine. Sois humain d'abord, en fait. Bob Mille, c'était qui? Il y a des gens qui te suivent sur Facebook, ils te voient le matin, ils sautent sur toi. Bon, il faut pas te fâcher. Moi, j'ai fait classe à Arafat. On a fait classe, et puis moi, viens, tu n'as pas arrêté un moment, il doit avoir 6 000 faut de terre. Il est passé. Mais c'est fini. C'est la famille. Concernant, d'abord. Toujours en parlant des influenceuses. On va partir du côté féminin, hein, bien sûr. Emma Loès, Sabine Dier. Sabine Dier, là, moi, je la connais pas. Hein. La dame qui. Emma Loès, moi, je connais Emma Loès. Ses dents sont toujours dehors. Elle n'est jamais fâchée.
Emma n'est jamais fâché. Même depuis affaire des 7 mois de loyer impayé. Ça, c'est le problème. Parce que du moment que quelqu'un te doit que tu viens t'asseoir sur Facebook pour parler de ça, c'est que tu es un menteur. Il y a la loi. Donc pour toi, c'est faux. C'est faux. Il y a la justice en Côte d'Ivoire. Il y a la loi. Il y a tout. Mm-hmm. Quand quelqu'un te doit, toutes tes preuves sont là. Tu vas à la police, on va appeler Emma Louès. Attends, on met des ministres en prison. On met des présidents même en prison. Mm-hmm. Il y a des présidents qui ont fait plus de combien d'années de prison mm-hmm. en Côte d'Ivoire ici. Non, c'est pas Emma Louès, on ne peut pas mettre en prison. Enfin, ouais, tes preuves là, tu as tes preuves, non? Au lieu de mettre ça sur Facebook là, ils veulent salir la réputation de la fille. Mm-hmm. Elle est trop crédible. C'est autre chose, c'est un autre level, c'est un autre niveau, Emma Louès. C'est une star qui valorise la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Oui, c'est une star, c'est une grosse star. Elle t'a donné de l'argent? Jamais. Jamais? Il faut que j'aille parler comme le gars là, jamais, jamais. Emma Louès m'a jamais donné de l'argent. Mm-hmm. Jamais. Tu ne lui en as jamais demandé? Jamais. D'accord. Mais tu penses que toutes ces choses-là ont une influence positive sur la jeunesse? C'est le vrai but, au fait, qu'elle a. Pourquoi nous, on a arrêté de faire les buzz aujourd'hui là? Samira est dehors là-bas. D'accord. Si on fait rentrer Samira ici, elle danse déjà. Okay. Elle veut être star aussi. Mm-hmm. Quand on va regarder demain son papa sur les réseaux sociaux là, mm-hmm. elle aura qu'est-ce quoi va mettre en tête. Mon papa, c'est pour cela que je te pose la question. Oui, je mais c'est ça, c'est pas bien. Tu penses que tous ces choses. Ça va avoir de l'impact sur la jeunesse? Est-ce que c'est des bons impacts? C'est pas bon. Mm-hmm. C'est pas bon, c'est pas bien. Voilà pourquoi moi j'aime Emma Louès, parce que même, elle dit pas, elle dit pas. Mmh. Elle m'a pas dit. Mais tu vas me dire aussi concernant le concert que devait faire le Mola pour toi, qu'en est-il finalement? Non, ça c'est le grand frère qui oublie beaucoup, il a beaucoup de charges, on va pas rentrer dans tous les détails. Tu crois? Ben, donc oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous rapporte toi et Mola? Moi, il casse le bureau, hein. Moi, il n'y a pas de problème, quand il arrive, il casse, il est propre pour moi, il m'en va. Hein. Parce que si on veut rentrer dans le projet, ça n'a pas marché. Donc tu vas, tu prends un peu petit à la. C'est mon grand frère. Des mêmes villages. Pas même village, c'est qui a créé musique, quelque chose, coupé des carrières, c'est pas eux là. Lui me connaît. Quand c'est la toute la vie, t'as rien, c'est là. Hein. Donc tu as l'encaissé aussi. Ce sont mes grands frères. Ça, c'est un règlement. Mmh. C'est la coutume. C'est la coutume. Mmh. Il faut payer. Tu vois, mais quand on finit l'auto, tu donnes pour moi aussi, oui. Mais il n'y a pas de problème. D'accord. Mais tu veux nous fatiguer trop. C'est la coutume. La dernière fois, tu veux faire parler de nos studios, c'est Moula. On t'a attrapé 2 jours après, tu étais dans le couloir derrière lui là-bas. Tu m'as pas vu au studio là-bas? Non, vu? Il a fini de faire parler avec moi, il est venu dans mon studio. Il ne sort pas dans ton studio. Je suis là. Tu as fait quoi? Et puis elle chantait, il a fini de faire mes yeux, il a tiré ma clé, je m'a dit ça. C'est mon grand frère, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que la blocade devait faire en fait. Ouais. On peut s'amuser un peu sur les réseaux sociaux, à faire titiller un peu, vivre tout, les mais derrière, pour mais que. En réalité, on n'est pas ennemi. Pas que ça devienne trop. On n'est pas ennemi. Aujourd'hui, tu fais partie des anciens du coupé des carrés. Je suis pas ancien. Si, tu es ancien. Tu es quand même vieux, bientôt 42 ans. J'étais petit dedans, tu as longtemps, tu as commencé. Hein? Ah. À 15 ans. Même si tu mets Yomo fatigué là. Non, il ne met pas Yomo, rien, mais je veux blanc, ça vient. Moi, il ne voit rien. Ça vient un peu en c'est parlant. Trop noir. Non, il ne met pas Yomo. Que voudrais-tu que cette jeunesse, nouvelle génération du coupé des carrés retienne de toi? Le live. Le live. Le live. Ça fait partie de l'artiste. D'accord. Mm. Tout ce qui est culture doit être déjà live. D'abord live. Mm-hmm. Montrer ton talent. Apprenez à chanter réellement parce que c'est vrai. Il y a la nouvelle génération. J'ai parti dans qui. Et c'est madame. Ah, et obrigado. Qu'est-ce que tu penses de ça par exemple? Bah, ils sont d'abord nos moods. Ils sont dans le mood. Mais après, vous êtes des représentants. Vous êtes des représentants. Didi B fait la même musique que vous, mais c'est message. Suspect fait la même musique que vous. Mais ces messages, voilà pourquoi ils peuvent jouer devant des présidents, devant des organisations, devant des ONG. Oui. Mais vous ne pouvez pas jouer parce que tu ne peux pas regarder quelque chose. Parlons de suspect. Toi, tu vas dans la fesse et toi, tu vas dans le cul. Obrigado, tu ne mises pas, tu ne manges pas. Mais manger quoi? Ah, c'est la question. Parlons de suspect Jules Beco. Tu étais à Triomphe Productions à l'époque avec. Pas à Triomphe Productions. Mais tu étais eux là-bas. Voilà, vous étiez ensemble là-bas. Hey, baby, fille, ouais, baby. Vous avez, voilà, vous avez fait des tubes ensemble. Vous avez fait des collaborations, des participations. Aujourd'hui, quand tu vois ces deux sont séparés, ces deux compagnons de longue date que tu connais bien, qu'est-ce que ça t'inspire? Normalement, au manager, moi, il m'adresse au manager. Ne pensez pas que le showbiz, là, c'est familial. Hein. Ok. C'est pas familial. C'est un business. C'est un business. Et puis, il y a beaucoup d'équipes qui ont eu des entraîneurs qui ne sont plus avec ces entraîneurs-là. Donc, tu penses que c'est suspect qui a raison alors? Non, suspect avoir raison, ça a été un peu déplacé qu'ils viennent sur les réseaux sociaux pour en parler. D'accord. Ça, c'est moi, ma conception. C'est ta conception. Sinon, normalement, suspect, il est libre d'aller avec qui il veut. Oui, d'accord. Ok. Il est libre, c'est un artiste, ouais, c'est un footballeur. Aujourd'hui, il ne veut plus jouer pour tel club, il m'avait dans tel club. Je suis entraîneur, il ne veut plus entraîner ce club. Sans dire au revoir.
Mais pourquoi ça se parle, ça se communique, ça cause tranquille. Après ça, moi, c'est bon, moi, je vais essayer de voler de mes propres ailes. Bon. Ça n'arrête pas l'Africain. Oh non, après, voler de ses propres ailes, ça n'arrête pas l'Africain. Mais, après, tu sais, les gens aussi se basent aussi sur les rapports que les gens ont entre eux. Voilà pour les disais, dans mon point, quand il a commencé mon message, il dit le showbiz n'est pas familial. Tu es venu pour travailler, tu fais ton travail, tu gagnes ton argent, bref, c'est fini. Tu peux pas te coller un artiste pour dire que c'est mon frère, c'est mon. Mais il va te niquer, mais Saïd Benoît est le meilleur ami de. Comment à Jules Beco. Bien sûr, oui. Mais ils sont plus ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils sont plus ensemble, mais ils sont toujours amis, mais ils travaillent plus ensemble. Yodé et Siro chantent ensemble, mais ils ne marchent pas ensemble. C'est business. Ils n'ont pas les mêmes us, ils n'ont pas les mêmes. Ah, c'est le business. Voilà. Mais sur la scène, ils sont amis. Ils sont amis. Ils sont en train de travailler. Après ça, c'est fini. C'est le business. Donc, j'espère, son petit côté, peut-être sur les réseaux sociaux, il est venu un peu. Oui, venez en parler. C'est pas trop intéressant parce que d'abord, Jules Beco est son grand frère. Oui. Et c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Il y a longtemps. En fait, c'est laissé, puis on a toujours eu des bons thèmes, on est toujours en cause tout le temps. Oui. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec De Bordeaux? Oh, ça a longtemps, c'est vide, Tanguy. C'est succès musical actuellement là, c'est toi qui en es à la base? Non, on a fini sur quoi? C'était sur. Je ne me rappelle plus, on a fait tellement de morceaux. Oui, ils ont fait beaucoup de collaborations. Je ne me rappelle plus. Mais alors toi aujourd'hui, quelle est ton actualité? Tu parles de live. Live. Que tu veux monter un orchestre live pour jouer dans J'ai déjà l'orchestre live. D'accord. Maintenant, je vais mettre le live en comment dirais-je, en avant en fait. D'accord. Parce qu'il y a mon frère, Saga, qui avait commencé ça à un moment. Mm-hmm. Et moi, je pense que ça va. Il a été un peu. Ils ont juste un peu négligé ce mouvement-là. Mm-hmm. Mais c'est très important pour la jeunesse ivoirienne de faire du live. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, là, le live nourrit peut-être 6 personnes. 6 personnes, c'est-à-dire orchestre à 6 personnes, percussionniste, guitariste, bassiste, batteur, ensemble 6 personnes, tout, ça nourrit. Tu sais. Si un bon. Il y a des orchestres un peu partout, c'est vrai, Zouglou, c'est-à-dire qui c'est un acquis. Mais coupé décalé, il n'y en a pas. Pas coupé décalé, mais musique même, c'est-à-dire urbaine, musique même, il n'y en a pas. Il n'y en a plus parce que les gens sont gammés sur quelque chose. Donc, il y a la nouvelle génération qui arrive. Moi, je vais montrer un nouveau système. Où pour en parlant de système, on va dire quoi, on te connaît dans le live. Tu parles de live. Fais-nous quelque chose là. Un acapella propre. Leur montrer ce que c'est que le live. Ouais, moi, ça, le vrai. Fais-tu le lasse la pointure dessus. Le gars, je parle de merveilleux. Mais respect votre majesté. Fais-tu le lasse la grosse pointure dessus. Il n'y a pas de problème. Franchement, sérieusement, tu es un artiste que j'aime beaucoup. Tu le sais, tu vois, tu es vraiment pétri de talent. Mais je pense qu'il faut qu'on songe à orienter ton talent. Ouais. Et je pense que c'est le moment qu'il soit vraiment orienté et que ça éclore d'une autre manière. Mais talent, maman, il veut plus chanter, coacher les enfants. Non, faut coacher. Mon école s'ouvre bientôt, les gens vont venir apprendre à faire. Faut passer notre niveau. Voilà, monter notre niveau. Mais si le jour je sens un tube, c'est que ça passe juste par amour, par la musique et tout. Mais si Ferguson Rossdemont vient te voir pour. Il peut l'apprendre. Regarde, il peut faire chanter. L'homme que tu penses pas qu'il peut chanter. Il peut te faire chanter n'importe qui. Moi, il y a plus dans la mesure, il y a des gens qui ne savent même pas placer une voix. Ah, ok. Il y a les noms, on ne va pas dire. Il y a les gens qui sont stars ici aujourd'hui, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On les a vus dans les débuts au sujet, ils ne pouvaient même pas placer une voix. Mais Vecho les a fait chanter. C'est clair. Non, Vecho, tu es quelqu'un de bien. À la base, tu es humain et ça, c'est déjà quelque chose qu'on doit retenir. Bientôt, ma fille va venir, elle va prendre le relais. Tu vois, la chose que moi, je veux que les téléspectateurs retiennent de toi, c'est que tu es quelqu'un de très humain, tu es quelqu'un de très bien. Et c'est pour cela que quand tu apportes ton apport et ta contribution, toujours même dans l'homme, les gens éclorent. Parce que ça vient de bon cœur et c'est de gaieté de cœur. Nous, merci. On te souhaite toujours le bon et toujours que de bonnes choses dans ta vie. Merci. Exactement. Voilà. Alors, bientôt, notre émission va tirer à sa fin. Et vu que récemment, tu as sorti un maxi single encore. On a vu sur la toile, ça tourne pas mal déjà. Ouais, toujours dans... Plusieurs vues sur TikTok. Ouais, plusieurs vues sur TikTok, comme on peut. Mais tu restes toujours en train de célébrer l'éternel Dieu, je le sens. Ça, c'est clair. Oui, parce c'est que... C'est la base. C'est la base, ouais. Voilà. Et c'est avant toute chose, d'abord, il faut célébrer. C'est ça. Ouais, et comme le disait tout à l'heure Yumi, c'est vrai que le métier de chante, c'est un sacerdoce. Oui. C'est pas pareil, il y a chante, je sais pas il y a chanter, chanter à la gloire de Dieu. Tout le temps. Et voilà. Être chante, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Voilà, et puis tu dois être appelé. Ouais.
Tu vas venir ici pour dire que tu es chante, venir prendre la main dans les coins ici, puis dire que tu es chante. Parce que le chante, il est comme l'homme de Dieu. Et chante, quand il chante, voilà, il peut déclencher beaucoup de choses. Mais, si tu permets, j'ai une petite question. Ça m'est revenu. Tu parlais de, dans le temps, d'avoir fait des babadji et tout. Aujourd'hui, penses-tu t'être totalement débarrassé de ces choses-là? Comment elle fait là? C'est pas moi qui fait. C'est femme qui a pris l'eau pour m'envoyer. Il faut des laver ça. Il me dit laver ça. Moi-même, aller m'asseoir. Quand tu t'es fait violence, c'est pas madame. Aller m'asseoir devant féticheur. Donc c'est une go qui t'a blagué. C'est une go qui m'a blagué. Donc on m'a dedans quoi. Mais ça a été toujours comme ça. Vous êtes comme ça. Qui? Donc toi, tu l'avant, elle va à côté là-bas. Quoi. Qui a ma c'est à ma gauche ça. Yeah, ça me passe. Oh, c'est pas femme qui vient me blaguer. Pardon. Femme même dit des sens, elle finit dans votre. Il dit non, faut mettre l'eau. Femme, tu descends, c'est finalement. Mais faut mettre moi en parti. Il était fait quoi? Mon anniversaire est le 22 juillet. Alors, c'est aujourd'hui ton anniversaire, on va célébrer. Voilà. Yubi, on va tourner ensemble un happy birthday pour notre frère. Il n'y a pas de souci. Vicho. Happy birthday to you. Dibé. Happy birthday to you. Dibé. Happy birthday to you. Dibé. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Vicho Lola. Normalement, il y a un gâteau qui devrait rentrer ici, mais pas grave. Voilà, aujourd'hui, ici, il va appeler. Gâteau Meeting Iva TV Now. L'anniversaire de Vicho Lola, santé, bonheur, longévité. Tout ce qui est bon. Boudoir ou tout ce que ton cœur désire, que ce jour soit un jour merveilleux, magnifique pour toi et que Dieu te permet d'en fêter encore plusieurs anniversaires. Énormément. Alors, dames et messieurs, notre émission tient maintenant à sa fin. Big up à la boutique de Kra, le vêtement certifié Abidjan, Paris, Londres, New York, toujours opérationnel. Big up à Kangala le berger. Big up à monsieur Mamadou Diawara depuis Somadive, grand vendeur de motos tricycles partout en Abidjan, Daloa, un peu partout. Quand vous êtes prêts, passez là-bas, vous aurez des choses de qualité. Big up aussi à Franck Mian, Yacine Mian, la grande famille Mian, on est ensemble. Big up à monsieur Hervé et Max depuis le Coco Bango, ex-place Vendôme, ouvert tous les week-ends, vendredi, samedi. C'est du côté du plateau. Bonne ambiance, chez bon genre. Et vous y êtes invité à y faire un tour. Bientôt, le S-Club haut niveau en cours de téléchargement. Restez connectés parce que ça sera trop lourd. Merci, c'était la légende pour vous, le S. Toujours au contrôle, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Alors Yumi, tu oui, as une salutation. Bien sûr, une salutation à tous les loulous d'amour qui m'écoutent tous les matins, du lundi à vendredi, sur Ivoire Morning, sur Ivoire FM 103.4, la radio au cœur de vos émotions. Voilà. Merci à Soko, merci à Santiago, merci à Nibie Junior, bien sûr, pour toutes ces personnes qui sont derrière la caméra, Stéphane Aka, et aussi Jalal, bien sûr, on ne pourrait pas faire cette émission sans le mentionner. Plein de bisous et prenez soin de vous. Big up aussi au PDG, monsieur, madame Bakayoko, on est ensemble. N'oubliez surtout pas, sortez toujours couvert, Ivoire TV, Ivoire Musique, Fafa. Bientôt c'est les vacances, on aura des rétrospectives à vous proposer, les bons moments, les temps forts durant toute l'année, ça va passer en séquence, en boucle. Restez connectés, Fafa, l'émission qui déménage et c'est nulle part ailleurs, c'est ici. Big up!